aujourd'hui, maintenant, il y a un monde de musique, il y a un monde d'album, où il y a une actualité des albums, mon cher. Et ça, Martin, avec plein d'actualité. Il y a un monde de musique, parce que là, il n'y a pas de fumée. Conférence de presse, Oyo Tozali déjà, donc Bazali Kobongisa pour la organisation, surtout pour la concert, pour les Ali samedi, le 8 juin, Awa, na Pullman, donc héritier Watanabe, yo déjà Azali ensemble, na ba saper, nyonso, ba spiritas, Bazali toujours Awa, on a ambiance, entrée, il y a héritier Watanabe, entrée, il y a héritier Watanabe, na Pullman déjà, héritier Watanabe, pour la conférence de presse, Oyo, ba journaliste, baza déjà Likolo, ba tout nyonso, bazo zela, héritier Watanabe, donc voilà. Voilà, héritier Watanabe toujours ensemble dans la spiritas, ma sapeur, donc pour la conférence de presse. Arrivé, il y a héritier Watanabe pour la concert au Ezali le 8 juin à Wana Pullman, droit d'entrée, $300, sur place $500. Donc présentation, il y a album Chemin de la gloire. Donc il y a Ngomoni, Watanabe déjà, na Pullman. Merci vraiment à la bande de Cognos au Botalabiso. Merci à Yawili Mouchen, code mondial. Code mondial Yawili Mouchen. Arrivé à héritier Watanabe déjà pour la conférence de presse pour les Ali Anna Pullman, pour la présentation. Il y a album, il y a chemin de la gloire. Merci vraiment. Tous aux images, il y a héritier Watanabe. Voilà. Avant de continuer et de passer la parole aux différents intervenants, je vais d'abord commencer par présenter ceux qui sont sur cette table. À mon extrême droite, nous avons M. Lévi Bidas qui a réalisé l'album. Si vous avez des questions techniques liées à l'album, eh ben, c'est la personne à qui il faut s'adresser justement, mais il y a aussi l'artiste qui est là. De l'autre côté, nous avons M. Papin Boma, que tout le monde connaît. Il y a l'artiste Héritier Watanabe, ainsi que M. Armel Kaloumé, qui est manager événementiel de l'Abralima, qui a accepté justement d'accompagner cet événement. Et ça fait, nous leur disons merci, parce que c'est vrai que c'était un peu shot, mais ils ont accepté d'être là et d'accompagner ce concert. Donc, je vais d'abord donner la parole à M. Armel Kaloumé qui va lui nous dire c'est M. Papi Mouman qui va justement distribuer les paroles aux personnes sur cette affaire, le micro devant vous. Merci Fanfan, bonjour. Voilà, c'est comme Fanfan l'a dit, hein, tout est dit et je me répète, je ne vais pas répondre à tout ce qu'il a dit, mais nous tenons à vous dire un grand merci. Et comme vous savez, nous allons pas tarder, je verrai quand même avant de donner la parole aux représentants, aux sponsors,
Peut-être que l'artiste va conclure après, mais on va commencer avec les sponsors. Un mot, un message à la presse. Merci beaucoup, Papy. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour nous de la Braliment d'accompagner un artiste aussi grand comme Héritier Watanabe, qui est un artiste de la 5e génération. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Primus est une marque phare de la Braliment et que la Braliment travaille dans la promotion des artistes. Lorsque nous avons reçu la demande provenant de l'artiste, c'était une surprise pour nous. Nous l'avons fait avec des grands artistes de la République autrefois. Et aujourd'hui, c'est un très grand plaisir pour nous de faire avec l'artiste Héritier Watanabe. Je vais peut-être dévancer quelques questions que vous aurez peut-être à poser. Aujourd'hui, c'est juste la présentation de l'album Chemin de la gloire. Mais demain, ça sera d'autres projets un peu plus grandioses qui sont sur la table, que nous sommes en train de travailler ensemble avec l'artiste et également avec son équipe. Ce n'est pas que nous faisons quelque chose à la va-vite. Je pense que l'artiste le sait, également tout son bureau. C'est quelque chose que nous sommes en train de préparer de manière très minutieuse. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, avec la Primus, après plusieurs années, nous sommes toujours là et nous allons continuer à pousser nos artistes un peu plus loin. Je pense que vous n'en pensez pas. Merci. Alors, l'évidence, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui continue à faire parler de lui. Et comme nous l'avons dit, il aura peste. Je voudrais ici dire merci sincèrement au Pullman Hotel, qui est le sponsor premium à part la Branima. Ils ont accepté d'accompagner cet événement à 100%. Nous leur disons sincèrement merci, le Pullman Hotel. Voilà, merci. Merci, Fanfan. Alors, Héritier, peut-être un mot déjà à la presse, avant de remerciements, avant de commencer. Déjà, je pense que j'aurais commencé par vous saluer quand je suis à vous. Désolé déjà pour le retard. Je pensais qu'on allait commencer à 14h30, comme convenu. Mais j'attendais les signaux de Chani et les Fanfans pour me dire que c'est bon, tu peux rentrer. Aujourd'hui, je vais parler plus album, je vais parler plus musique, plus le chemin de l'album et plus présentation de l'album. La présentation de l'album, pour moi, c'est pas un concert spectacle, c'est un concert de chant. C'est un concert où l'artiste va se dévoiler, l'artiste va s'exprimer, où je veux chanter les chansons que j'ai eu à chanter dans l'album. Et parce que nous, on est habitué à faire des lives, on a cet esprit-là de live. Souvent, c'est difficile à reproduire ce que nous-mêmes nous avons produit au studio. Et c'est ce qu'on fera ces jours-là, on fera un effort de vous reproduire ce qu'on a fait. Si vous avez écouté sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, donc Apple Music, sur les autres plateformes de téléchargement ou les streaming. Voilà, je suis plus venu pour ça. Je suis désolé pour ceux-là qui n'ont pas eu des invitations. Parce que on tâtonnait sur le jour où on allait faire la conférence de presse. D'autres voulaient que ce soit aujourd'hui. Nous, avec la Bradina, on voulait que ce soit vendredi. Mais le Pullman aussi a ses engagements. On devait concorder avec eux. Ça a tombé qu'on fasse ça aujourd'hui. Je remercie Papy qui nous accompagne. Je remercie Abraham avec le directeur Amel. Je remercie le Pullman. Je remercie Fanfan. Et surtout vous qui êtes là aujourd'hui pour nous accompagner. Merci. Voilà, merci Fanfan. Je crois que l'artiste est prêt à répondre à toutes les questions. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs, vous savez comment ça se passe. Il y a un micro qui est entre les mains de M. Martin Yenga de l'autre côté. Et nous allons, comme l'a dit l'artiste, parler essentiellement de l'album et du concert. Donc,
Donc nous allons vous lever votre main, vous présenter. Et bien sûr, Axel, vous pouvez déjà prendre le micro et suivi de Jonathan. Ça n'empêchera pas de répondre aussi à une question peut-être qui est d'actualité. Mais qui ne dérangera pas les concerts. D'accord, merci. Donc Axel, vous pouvez vous approcher un tout petit peu pour permettre la prise d'image. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ok, là c'est bon. Merci. Axel Moutala, staff Africa Kim 24. Alors, une question pour Eriti Watanabe, là je suis vraiment dans l'album. En regardant Retirada, où il y a 22 titres, les 11 mi-demons, 28 titres, les deux albums, ça fait au moins 50 titres. Et quand on regarde sur Semaine de la Gloire, il y a 16 titres. Qu'est-ce qui a motivé le 16 titres d'abord, parce qu'on avait l'habitude de voir un peu plus de titres. Et comment est-ce que vous avez fait pour choisir le 16 titres? Quels sont les critères de sélection de ces 16 titres? Et la deuxième question, quand on regarde l'affiche du concert, soirée de gala, il y a $300 singletons. Et j'aimerais savoir pour les couples, $300 pour rentrer. Là, je pense que c'est pour une seule personne. Et si une personne est en couple, pour le couple, c'est combien le billet? Déjà, bonjour. Je commencerai par la question la plus facile. Le couple paiera $600. Parce que nous, on n'a pas tenu compte du couple ou des singletons. Le concert, c'est $300. Si vous êtes à deux, c'est 600. Si vous êtes à 3, c'est 900. À 4, c'est 1200. Donc voilà, la table, c'est 3000. On est jusque-là, on est là. On a pensé comme ça. On n'est pas rentré dans le truc couple ou quoi que ce soit. Et pour commencer, sur le nombre de chansons, avec Tirada, on était à 20 titres. Parce que d'abord, c'était quelque chose que j'apprenais. J'essayais. Je ne savais pas comment est-ce que des gens ont fait des albums. Moi, j'étais dans un groupe. J'ai demandé de quelqu'un, c'était le projet de la somme, où moi je m'exprime, où moi j'ai travaillé. Et pour une première, je devais moi-même maintenant concevoir, penser musique, penser projet, penser album. C'était une première, j'ai tâtonné. Pour preuve, il y avait même pas bien qui était vraiment une chanson qu'on tenace que ce soit dans l'album ou que ce soit parmi les chansons phares. Par rapport au goût du producteur, il a lancé ça imprimé, ça marchait. Aujourd'hui, c'est parmi les hits que j'ai pu faire. Donc, on est allé jusqu'à 22 titres parce qu'on avait aussi besoin d'argent. C'était un problème d'argent aussi. Vous quittez chez Oura, je ne peux pas te dire, tu sais que toutes les portes sont fermées. Donc, difficilement, tu trouves pas des issues pour t'en sortir. Donc, il fallait que je vends des chansons, d'abord premièrement pour que j'ai les moyens de stabiliser mon groupe, pour que j'ai les moyens de payer les studios, parce que moi, mon contrat m'empêche de travailler à Kinshasa. Mon contrat avec M. David Monceau m'empêche d'avoir un groupe, un orchestre. David Monceau, c'était un groupe. Lui, il voulait un groupe d'accompagnement, eux, c'est héritier, héritier, héritier. Les autres là, ils ne veulent pas savoir, tu chantes avec qui, tu es avec qui. Ils viennent, tu chantes avec eux, tu payes, ils partent. Or moi, le format que j'ai appris la musique, ça le format les hommes rongés, ça m'empêchait vraiment de procéder de cette manière-là. Donc voilà pourquoi, en tâtonnant, je suis allé jusqu'à mon titre. Méange Midémon, c'était deux albums, Méange et Midémon. 14-14, on est arrivé à 28 parce que c'était pas sorti au même moment aussi. Mais Chemin de la Gloire, c'était 14 titres. On s'est convenu avec Lenny Bidens, qui est le réalisateur de l'album, et ingénieur arrangeur. On s'est convenu à 14 titres. Pourquoi? Parce que pour moi, je me disais, en sortant 28 titres comme ça, peut-être il n'y a que 12 ou 14 chansons, ou 10 chansons peut-être, qui accrochent. Les autres chansons, sont comme des bonus qui n'accroche pas, que le public ne porte pas. Donc on voulait qu'on se limite à 12 titres et des génériques. Mais en arrivant au studio, il y a eu des complications. Il y a des chansons où les autres musiciens du groupe n'ont pas chanté.
Donc il faut maintenant faire genre trouver des moyens pour que tout le monde se retrouve. Avant, on avait une chanteuse, Jack Love, on se retrouve avec une danseuse qui chante et qui veut aussi chanter, qui veut s'imposer aussi. Il faut trouver des moyens pour qu'elle se retrouve aussi. Et j'ai plus de 8 chanteurs, si je ne me trompe pas, et je ne pouvais pas les mettre tous ensemble, chanter, ça n'allait pas trop bien faire. Donc pour moi, j'avais pensé que ma kabola, au moins genre, pour que ça la cœur, nous tout à juin, moi pareil. Dans l'idée ou dans l'esprit que moi j'ai eu aussi, j'avais déjà pris le retard, je pensais qu'on allait commencer à 14h30, comme convenu, mais j'attendais les signaux de Charlie et des Fanfan pour me dire que c'est bon, tu peux venir, tu peux rentrer. Parce que nombreux étaient à temps, à l'heure, mais les autres n'étaient pas encore là, donc je devais quand même attendre un peu que vous soyez un grand nombre pour qu'on puisse commencer. Déjà, je vous remercie pour ça, pour votre déplacement. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais parler plus album, je vais parler plus musique, plus le chemin de la gloire et plus présentation de l'album. La présentation de l'album, pour moi, ce n'est pas un concert spectacle, c'est un concert de chant. C'est un concert où l'artiste va se dévoiler, l'artiste va s'exprimer, où je veux chanter les chansons que j'ai eu à chanter dans l'album. Et parce que nous, on est habitué à faire des lives, on a cet esprit-là des lives. Souvent, c'est difficile à reproduire ce que nous-mêmes nous avons produit au studio. Et c'est ce qu'on fera ces jours-là, on fera un effort de vous reproduire ce qu'on a fait. Si vous avez écouté sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, donc Apple Music, sur les autres plateformes de téléchargement, les streaming. Voilà, je suis plus venu pour ça. Je suis désolé pour ceux-là qui n'ont pas eu les invitations. Parce que on tâtonnait sur le jour où on allait faire la conférence de presse. D'autres voulaient que ce soit aujourd'hui. Nous, avec le Bradimont, on voulait que ce soit vendredi. Mais le Pullman aussi a ses engagements. On devait concorder avec eux. Ça a tombé qu'on fasse ça aujourd'hui. Je remercie Papi qui nous accompagne. Je remercie Abrahima avec le directeur Amel. Je remercie le Pullman, enfin. Et surtout, vous êtes là aujourd'hui pour nous accompagner. Merci. Voilà, merci. Enfin, je crois que. Tu es déjà. L'artiste est prêt à répondre à toutes les questions. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs, vous savez comment ça se passe. Nous allons. Il y a un micro qui est entre les mains de M. Martin. J'ai déjà côté. Et nous allons, comme l'a dit l'artiste, parler essentiellement de l'album et du concert. Donc, nous allons vous lever votre main, vous présenter. Et bien sûr, Axel, vous pouvez déjà prendre le micro. Donc, Axel, vous pouvez vous approcher un tout petit peu pour permettre la prise d'image. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ok, là c'est bon. Merci. Axel Mzola, Star of Africa, King 24. Alors, une question pour Eriti Watanabe, et là je suis vraiment dans l'album. En regardant Retirada, où il y a 22 titres, mi 11, mi 2 mois, 28 titres, le deux albums, ça fait au moins 50 titres. Et quand on regarde sur Semaine de la Gloire, il y a 16 titres. Qu'est-ce qui a motivé le 16 titres d'abord? Parce qu'on avait l'habitude de voir un peu plus de titres. Et comment est-ce que vous avez fait pour choisir le 16 titres? Quels sont les critères de sélection de ces 16 titres? Et la deuxième question, quand on regarde l'affiche du concert, soirée de gala, il y a $300 singletons. Et j'aimerais savoir pour les couples. $300 pour rentrer, là je pense que c'est pour une seule personne, et si une personne est en couple, pour le couple c'est combien le billet? Déjà bonjour, je commencerai par la question la plus facile, le couple payera $600, parce que nous on n'a pas tenu compte du couple ou des singletons, le concert c'est $300, si vous êtes à deux c'est
600, si vous êtes à 3, c'est 900, à 4, c'est 1200. Donc voilà, la table, c'est 3000. On est jusque-là, on est là. On a pensé comme ça. On n'est pas rentré dans le truc couple ou quoi que ce soit. Et pour commencer, sur le nombre de chansons. Retirada, on était avec des titres. Parce que c'est, d'abord, c'était quelque chose que j'apprenais. J'essayais. Je ne savais pas comment est-ce que des gens ont fait des albums. Moi, j'étais dans un groupe. Je dépendais de quelqu'un. C'était le projet de Weberson. Moi, je m'exprime. Moi, j'ai travaillé. Et pour une première, je devais moi-même maintenant concevoir, penser musique, penser projet, penser album. C'était une première. J'ai tâtonné. Pour preuve, il n'y avait même pas bien qui était vraiment une chanson qu'on dénasse, que ce soit dans l'album ou que ce soit parmi les chansons phares. Mais par rapport au goût du producteur, il a lancé ça imprimé, ça marche. Aujourd'hui, c'est parmi les hits que j'ai pu faire. Donc, on est allé jusqu'à 22 titres parce qu'on avait aussi besoin d'argent. C'était un problème d'argent aussi. Vous quittez chez Wera. Je ne peux pas déjeuner, tu sais que toutes les portes sont fermées. Donc difficilement, tu trouves pas des issues pour t'en sortir. Donc il fallait que je vende des chansons, d'abord premièrement pour que j'ai les moyens de stabiliser mon groupe, pour que j'ai les moyens de payer les studios, parce que moi, mon contrat m'empêche de travailler à Kinshasa. Mon contrat avec M. David Monceau m'empêche d'avoir un groupe, un orchestre. David Monceau, c'était un groupe. Lui, il voulait un groupe d'accompagnement où c'est héritier, héritier et héritier. Les autres là, ils ne veulent pas savoir, tu chantes avec qui, tu es avec qui, ils viennent, tu chantes avec eux, tu payes, ils partent. Or moi, le format que j'ai appris la musique, c'est ma maison mère reggae, et ça m'empêchait vraiment de procéder de cette manière-là. Donc voilà pourquoi, en tâtonnant, je suis allé jusqu'à 22 titres. Léange et Milémon, c'était deux albums. Léange et Milémon. 14-14, on est arrivé à 28 parce que c'était ma sortie au même moment aussi. Au niveau là, c'est. Mais chemin de la gloire, c'était 14. On s'est convenu avec le réalisateur de l'album et ingénieur arrangeur. On s'est convenu à 14 titres. Pourquoi? Parce que pour moi, je me disais, en sortant 28 titres comme ça, peut-être il n'y a que 12 ou 14 chansons, ou 10 chansons peut-être, qui accrochent. Les autres chansons, sont comme des bonus qui n'accrochent pas, que le public ne les porte pas. Donc on voulait qu'on s'émite à 12 titres et des génériques. Mais en arrivant au studio, il y a eu des complications. Il y a des chansons où les autres musiciens du groupe n'ont pas chanté. Donc il faut maintenant faire genre, trouver des moyens. Vous avez mis la table pour accompagner cet événement. Ce serait 100 000 200 000, 400 000, on aimerait le savoir. Merci. Merci, Jonathan. Pour la norme du groupe, j'avais déjà permis aux musiciens de travailler avant même que je fasse chemin de l'espoir. J'avais demandé aux musiciens d'envoyer les titres à l'ennemi, parce que c'est l'ennemi qui reçoit les titres et envoie au beatmaker, à ceux-là qui font le son. Il fait le choix. Parce qu'il s'est canalisé, il s'est comprendre, il s'est orienté. Mais jusque-là, il n'y avait que deux ou trois chanteurs qui avaient envoyé leur chanson. Il y a eu Mishka, si je ne me trompe pas, il y a eu Champion Voile. Peut-être que les deux. Donc voilà. Pour moi, je m'étais dit qu'ils n'étaient pas prêts. Donc quand ils ne sont pas prêts, moi je n'ai pas croisé le travail, moi je cherchais à avancer. Aujourd'hui, la concurrence est très vite. Plus tu baisses les bras, plus les autres courent à une vitesse que tu peux peut-être plus les rattraper. Pour les chansons à format ado, je suis plus jeune, j'y pense. Déjà, j'avais même annoncé ça sur des autres chaînes en France. J'avais dit, ça c'est mon dernier album 100% humain. Je continuerai à faire de la rumba parce que c'est la musique que je maîtrise le mieux. Mais je vais m'ouvrir à d'autres musiques parce que je ne connais pas que la rumba, je connais aussi d'autres musiques que je vais expérimenter. Aujourd'hui, on sera sur le terrain des featuring aussi parce qu'on prépare déjà les featuring. On est sur ça déjà. On travaille avec les Sud-Africains, on travaille avec
des artistes francophones aussi, et anglophones même, donc pour le prochain album. Peut-être qu'il viendra tôt. Voilà. Et je pense que ces jeunes-là se retrouveront. Mais pour gagner du terrain, pour m'affirmer, pour m'imposer, j'avais d'abord besoin de confirmer sur la rumba. Parce que la rumba, c'est la base. La rumba, c'est la musique qui est... Après, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. C'est la musique qui a imposé tous les chanteurs qui se sont imposés aujourd'hui au Congo. Ils se sont imposés par rapport à la rumba. Donc je devais confirmer avant de m'envoler sous des cieux. La Branima, je ne sais pas vraiment le moyen que la Branima a mis, je ne sais pas dire que le montant exact, mais je vous dirai sur le 100%, la Branima, oui, oui, il va répondre, mais je vous dirai, c'est pour une première fois que je sois sponsorisé par une. J'ai plusieurs fois été sponsorisé, mais c'était à hauteur de 20%, 30%, tout ça. Mais pour une fois, j'ai été sponsorisé à hauteur de 80%. C'est sûr, c'est sincère. Peut-être à plus de 80%. La Branima a presque tout fait. Donc, je dirais presque tout fait. Je n'ai pas dépensé, moi. Si je veux dépenser, ça sera peut-être aujourd'hui par rapport à Moutounara, peut-être Laurent Fabrice Ayaki, la Rotia qui est aidé. Donc, ça sera la première fois que je dépense depuis qu'on a commencé ce concert. Donc, sur les affiches, sur la publicité, sur le podium, la lumière, les ingénieurs, tout ça, j'ai rien fait. La Branima a tout fait. Et il y a aussi le Grand Hôtel. Merci beaucoup pour la question, Jonathan. Très bonne question d'ailleurs. S'il faudrait répondre en termes d'argent, je ne sais pas, je n'aurais pas un montant exact. Parce que c'est comme l'artiste vient de dire, nous avons participé en tout. Même dans les discussions concernant le concept du concert, la prémédité. C'est comme il est en train de le dire, ça n'a jamais été ainsi avant. Ce n'est pas qu'un sponsoring, mais c'est un accompagnement, si je veux dire. Et je vous convierai justement à la soirée. Ça sera plus simple pour vous de voir et de constater. Et vous donnerez un montant à ce que vous allez voir. Merci. Voilà, merci Héritier, merci pour l'invitation, merci également à tous les groupes. Ce que je voulais savoir, chemin de la gloire, pour nous les chrétiens, nous disons que notre chemin de la gloire, c'est arriver au ciel et bénéficier de la grâce du Seigneur, et si Katoké de Patata, quand Héritier dit chemin de la gloire, et ça fait même aller au Wapi. Chemin de la gloire, on a eu un succès, Kaka, on a mis les pétains. Exactement. Et puis, une deuxième question. Vous nous avez promis que juste après la sortie de l'album, il y a des dates qui sont prévues. Peut-être que c'est le moment pour nous d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que Héritier nous promet avant la fin de l'année? Tiens date. Héritier, à sa tiens date, ou bien tout ça dans la date, il y a samedi. Merci beaucoup. Merci, Isaro. Le chemin de la gloire, après, il faut comprendre que moi, quand je parle du chemin de la gloire, je suis pas dans la religion. Après, comme j'ai vu dans une interview en France, quelqu'un qui dit que les chrétiens, les musulmans, tous ces religieux-là, ils parlent. Mais le jour où nous, les athées, nous allons parler, ça sera un grand problème parce que apparemment les athées sont plus nombreux que le croyant. Et moi, je ne suis pas dans la religion sur le chemin de la gloire. Mais je peux aussi penser comme les religieux peuvent penser, ou croyants en Jésus. Eux, ils croient que leur chemin de la gloire, c'est pour arriver au ciel, chez Dieu. Donc, une récompense par rapport à comment ils ont servi Dieu. Et moi, mon chemin de la gloire, c'est aussi une récompense par rapport à toutes les difficultés que j'ai pu trouver sur mon chemin musical. Donc, tous les péripéties, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'est arrivé dans cette musique, m'a pensé, m'a comme à côté de moi, où les avoirait dit, bon, la bombe qui m'a connu, résultat, la meilleure, la anglaise. Donc pour moi, c'est ça, mon chemin de la gloire. Mais c'est ma vie, nous sommes en or, valet à Baka. Donc, valet à Baka, nous devons aller à ma cour, ma parcours, ma nénénéné, rempli l'embûche. Mais pour que la soupe en haut, on soit des foutus. Donc voilà. Et moi, maintenant, le résultat, c'est ça.
quand les gens m'appellent pour me dire, par exemple, hier j'étais avec un grand frère que le Viking Kester avait chanté. Il m'a dit, héritier, on a dit qu'à la communauté, on a dit qu'on avait la vie qui n'a pas existé, on a dit qu'on a chanté, on a chanté. Le jour où j'ai écouté la chanson de la République, la paix au moment place moi le choix dans le monde. Voilà pour moi, je me dis que la bouni, la joue, la vaccine tout moko, la bateau la dina. Donc c'est pour moi, c'est la gloire dans ce sens-là. Après, je ne sais pas pour la date à Paris. Là, je ne sais pas ce que date. On a les droits. On n'a pas les droits encore. Je pense que lundi ou mardi, on va publier. Hein. Mardi, on va publier l'affiche et les teasers du concert. On a déjà un concert fin septembre. On a déjà signé avant même qu'il y ait la sortie de l'album. On a signé avant le 15 mars. Mais on s'était assis. On a parlé, on s'est dit pourquoi suivre deux lièvres à la fois, pourquoi mettre la charrue devant le bœuf. On va vendre d'abord l'album, on va vendre les chansons, on va promouvoir les chansons pour qu'enfin, après deux mois ou trois mois, on sorte une date. On n'a pas qu'une seule date, on a une date pour le concert. Et c'est quand on a une date pour le concert fin mai ou juin, début juin. Pour Paris encore et je date. Déjà la semaine prochaine à Lubumbashi, pour le compte de DRC Mining, c'est les miniers, les chinois et les juifs, tout comme ça, on va faire un concert là-bas et il y aura un concert barbecue, comme moi j'y vais en France, pour maintenant présenter la salle avec les chroniqueurs, les journalistes, présenter la salle. Mais déjà à partir de mardi, on va sortir l'affiche ou les teasers pour le concert. Et vous verrez la salle, vous verrez la date, vous aurez tout ça. Merci. Prenons notre ami de Lyota, après ça sera Laurent Fabrice et puis Toto Anderson. Merci. Héritier Watanabe, bonjour. Bonjour frère. C'est Ahmed Hassan, notre télévision Lubumbashi. La ville du DG Freddy Tijikato Fadji, d'ailleurs je vous félicite. Merci. Nous sommes déplacés uniquement pour couvrir l'événement du samedi. En tout cas, merci d'avoir honoré aussi Lubumbashi. Héritier Watanabe, c'est vrai, c'est $300. C'est pas tout le monde qui aura accès à cet événement. Est-ce que vous avez prévu un autre événement pour satisfaire aussi ceux qui n'ont pas les $300? À la sortie de l'album Chemin de la gloire, nous qui suivons aussi de près nos amis youtubeurs, il y avait autant des problèmes qui se sont suscités. Certains disaient qu'Héritier Watanabe n'a pas honoré les youtubeurs dans cet album Chemin de la gloire, chose qui n'était pas aussi obligatoire. Certains se sont dit que non, on ne fera pas la promotion de cet album. Est-ce que Héritier Watanabe a senti ses coups dans tout ce qu'il a fait comme parcours de la promotion de Chemin de la gloire? Sinon, beaucoup de questions, j'en ai. J'aurai le temps de vous recevoir dans mon émission. Merci. Merci. Et je vous le promets, donc voilà, je suis dispo pour ça. Merci beaucoup, Héritier. Déjà, pour les événements publics, les concerts publics, Monsieur Armel, au début, il avait déjà dit qu'avec la Bralima, c'est pas seulement le concert de la présentation d'album. Les concerts de présentation d'album, il y aura plusieurs concerts. On pense faire des concerts à Dunga, à Chang, à Moamba et à Funa. Donc, déjà, il y a des concerts prévus. Et la Bralima va voir par rapport aux dates. Je pensais faire des concerts populaires. Des concerts populaires et faire aussi des provinces. La Bralima va voir, mais c'est pas. Je pense que ça sera avant la fin du mois de juin ou début juillet. Donc on a déjà des concerts prévus. Donc la Bralima va nous accompagner, on a déjà de cette accompagnement. Pour la promotion, des tubers, etc. Après il faut comprendre. Je suis allé à la télé.
Donc, ça veut dire que la Ibarra déjà puissance, il y a YouTube, bon, puissance future, il y a YouTube. Tant au moment où on a joué à la plateau, la Bino, il y a YouTube, l'archevêque Baza, tous mes amis, mes frères Baza. Bah, il y a un musicien tout au lieu de comment coller YouTube, patron YouTube, il y a un musicien qui est pour l'animal, pour faire la plateau, la Bino. Mais après, Nassanta récompense la beauté, Nassanta retourne la beauté. C'est comme si moi j'avais trahi d'autres gens pour faire plaisir à d'autres gens. Et après ceux-là que moi j'avais embrassés, alors que moi on trahit, mais on a eu mon assaut, il fallait mettre la main dans la télé à la plateau. Tant on a boycotté, on a bien appelé à la main, on a vu qu'il était vert, on a mis la main dans la télé. Et là, on a sa qui n'a télé, mais la qui n'est pas mon aïe n'abîme. N'a souvent l'envoi de l'eau, n'a souvent la télé. Donc, la ligne à la salle. Album, on voit qu'à pas tout, vous avez passé. Vous avez pas eu. Bah, tu peux dire que tu as un lien, un peu, et comment le voir faire. Ceux qui n'ont pas qui t'aiment, n'ont pas besoin de t'aiment, ils ont un problème. Même si on a fait la famille, c'est comme ça. Et vraiment, bonne émission. On va faire la salle en mode de l'Oran, c'est un esprit, moi je m'en fous, il y a un YouTube qui est ça, par aux alatés, tout ça, un peu de l'Oran. Je ne peux pas me comporter comme ça. Et je vous contacte même là, il y a eu un changement dans ma carrière. Donc voilà, c'est arrivé, vraiment, je m'en excuse, sur la patron en arrivé. Plus le plus déçu, vous t'en savez. Le plus déçu, vous t'en savez. Le plus déçu, vous t'en savez. Avant que vous t'en savez, vous t'en savez. Quel n'est-ce qu'il y a pour l'habiter. Même des gens comme ça, ils ont clairement il est quelque tout ça, là-bas, matin, midi, soir. Il m'écrit, je l'écris, on s'écrit chaque semaine. L'homme nous a écrit parce que c'est ça qui est le bon. Donc voilà, vraiment, excusez-moi, c'est que ça nous a tout dit. Et je pense que même dans l'album, on va voir la limite de la limite de l'album, la binomie aussi. Ils ont tellement passé que la binomie. On a l'album, on se retrouve dans l'album. La musique, même si on a un peu de raté, ils ont calculé les âmes, vraiment voilà. Et je pense que tout le monde dit ça. C'est déjà une famille. J'ai besoin de vous. Je ne voudrais pas dire que vous avez aussi besoin de moi. Là, on est à la voix. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre accompagnement. Ce qui est vraiment les sabbats. Peut-être on ne s'est pas compris. Mais les gens ont expliqué là maintenant. Peut-être on a fait des actions, expliquer les camions. Peut-être que ce soit plus agir, ou ce soit une émission. Au lieu de ça, toi, avancez pas. Merci. Non, c'est Laurent Fabrice. Bonjour Étienne, bonjour toute la table. Bonjour. J'ai une question qui est à deux, et puis une autre question c'est pour le réalisateur de l'album, Lenny Videns. Étienne, permets-moi de te féliciter pour l'album Star. Je suis très heureux d'appartenir à un même pays que toi. Je suis très heureux d'être Congolais comme toi. Je suis très heureux dans mon pays d'avoir un artiste comme toi. Je l'ai dit avec émotion parce que j'ai écouté tout l'album. J'ai suivi également quelques clips que tu as sortis déjà. La main sur le cœur en tout cas. Félicitations à toi et tous les groupes, la team Ouata. Alors, ma question est de savoir, quand tu suis l'album, tu écoutes l'album, au moment où le rôle héritier au salaire en haut défi mon rouboui, ne pas comme le barangan si mon rouboui. Vraiment, tu as chanté, tu t'es exprimé. Je devrais savoir quel est l'état d'esprit que héritier Ouata avait en réalisant ses chefs-d'œuvre. L'état d'esprit que tu avais. Je ne vais pas donner des indices, ça pourrait être des différentes probabilités qui pourraient y être pour enregistrer l'album de telle manière, mais sinon. Vraiment, prends ton temps, même à 2 ou 3 minutes, explique-nous l'état d'esprit que tu as eu en réalisant cet album Chemin de la gloire. Et puis, sous question, j'avais dit par rapport au concert,
L'album est sorti le 15 mars. Aujourd'hui, pratiquement, le 15 juin, ça sera 3 mois, si je ne me trompe pas. Mais je trouve comme si tu as un peu précipité les choses en présentant l'album après justement 3 mois. Pourquoi ne pas attendre que l'album vraiment écoute à comme il faut après de faire la présentation de cet album. Voilà, la question pour Lenny. Lenny, tu m'écoutes? Voilà, la chanson de la République. Une très belle chanson. Victor Ellison, King Kester et Medea. Bravo à la team Wata. Lenny, je voulais savoir, dans les temps, tu as eu à travailler avec des King Kester et Medea, ou je ne sais pas quelle intelligence que tu as eu à pouvoir réaliser sur toutes ces chansons-là de la République, bien entendu, en donnant le coup de chapeau au président héritier et à tout son groupe latin. Merci beaucoup. Allez, vous autres, pardon, tu peux commencer après la chanson. Alors, bonjour. Pour la chanson de la République, la vérité est que c'est une chanson que personnellement déjà, je n'aimais pas. Donc, même le succès m'étonne beaucoup. Maintenant, j'ai pu travailler avec le vieux Kester à travers mon père il y a des années. Sur son dernier album, This Is Me, j'ai pu collaborer avec mon père et le King Kester. En fait, c'est vraiment une chanson, c'était un esprit d'équipe. Donc, Héritier venu avec la chanson, la maquette déjà pratiquement conçue. Donc moi j'ai pu juste réaliser ce qu'il m'avait apporté et après on a fait appel aux quelques membres du groupe de Kester sur Paris, les musiciens, le vieux Adel Okela, Yannick, Zénith à la batterie, le bassiste, Didier au bass et je crois que c'est tout. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment pas Lenny qui a fait grand chose de... Non, c'est vraiment un travail d'équipe, moi j'ai juste réaliser ce qu'on m'a apporté sur la table. Voilà. Comme Denis disait, même le groupe ne voulait pas de la chanson. Si je vous dis que la chanson de la République était une chanson pour l'album Mélange des mots, mais tous les musiciens avaient refusé. Il y a la musique, la musique à Kalao, est-ce que la musique à la Kester, la musique à la Timba, est-ce que pas si dans le Mingambo. C'était compliqué, j'étais seul, l'ingénieur refuse, les musiciens refusent, j'étais seul, sans appui. Je laisse, le producteur ne veut même pas entendre ça. Il fait du tchatcho parce qu'il est trop avec Mopa ou tout ça, Monceau est dans son monde. Ouais. Et cette fois-ci, j'avais encore tenté la chanson, je suis revenu avec la chanson, mais j'ai un peu obligé. La seule personne qui m'a accompagné avec la chanson, c'est mon chanteur, je laisse les... Les autres ne voulaient pas chanter. Les autres ne voulaient pas chanter. Et je prête souvent, parce que dans la chanson, quand on a fini ça, quand j'ai donné les espaces pour que les gens fassent ma vocale Navarro, ma vocale Navarro, hier j'ai respiré à elle, au contraire, elle ne t'apporte pas de moi. Donc voilà. Lenny, il a participé maintenant à Moukasko, donc il est sa qualité à King Kester. Même ça, il avait compris que on a la Kinze Bambo. Donc il a, voilà, il s'est donné là, l'esprit. Voilà. Dans l'état d'esprit, autre travail pour Yamoana. Esprit d'équipe, tu n'as pas tant payé ça, ou coquille pour payer ça. Tu n'as pas tant à la libre, ou le badé, pour que, n'a zone à moi, c'est ceux qui dès la main, ils ont convaincu le badé, il a déjà le coup. Ceux qui convaincu, bon, t'es là, passé pour moi, tu peux, bah, t'as les s'il y a une autre chanson, pour la qualité des clips, des images, bah, on a tout fait pour mettre vraiment de moyens, on a vraiment beaucoup dépensé, donc voilà. Je ne sais pas si peut-être il doit vouloir une attente. Non, c'est bon, mais la sortie est la photo. Ouais, si la sortie est très tôt. Non, pour moi, on s'était fixé pour 3 mois. La promotion intense, c'est 3 mois. Même si on n'a pas fini la promo, on va faire la promo de cet album pendant une année. Il faut tout ça, la promo et on l'a. On a travaillé avec beaucoup et tout, on avait tout le monde expérié. L'expérience n'a pas de sens. Bélo, tu bélé, tu travailles, tu travailles, tu remets comme un fils ici, tout ça, tu remets la maman, il y a ma soeur dans son bâtiment, tu vas marquer, tu vas bélé, tu vas bélé, tu vas bélé, l'archivette, on a toujours apporté. On a besoin de nous tout le temps, à baxer la main, ou à baxer la main, à savoir la main, à tirer la main, parce que voilà, on est. Donc voilà, tout
tous les mais tous les gens qui ont public, qu'est-ce que tu veux pour nous dire que nous ne pouvons pas attendre. Nous remontons au prochain. Tonton Anderson. Voilà, Tonton Anderson. Tonton Weekend, désolé. Qu'on fâche les termes. DJ Daddy va venir. Ça sera... Bonsoir à tous. Enfin, bonsoir à tous. Hérité, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur la table. Premièrement, d'abord, félicitations par rapport à l'album. Merci. Très bel album. Chemin de la joie. Mais moi, je suis un peu surpris par rapport à votre réponse. Moi, je me mettais dans ma tête, chemin de la gloire, c'était d'abord, on voit là où nous allons monter au ciel, c'est ça la référence. Mais vous vous êtes dit, non, c'est pas par rapport à la spiritualité, c'est par rapport, à vos idées. Donc, félicitations par rapport à l'éclaircissement. Merci. Ma première question est celle-ci. Eriti Watanabe, dans cet album chemin de la gloire, il y a autant de couleurs. Autant de couleurs que l'on exploité. Et surtout aussi, ceux qui se sont plus retrouvés, ce sont les vieux, notre génération et génération contemporaine. Ma question est tellement simple. Dans cet album, est-ce que vous avez aussi amené, aussi donné le CD à ton père musical, les Voix de la Forêt, à Papa Chéri? On peut se les dire comme ça. Et ma deuxième question. Là, j'ai mon fils directement, on se consomme. On a connu dans ces pays, là, on ne peut pas se voiler la face. Il y a deux groupes, il y a eu BCBG et Maisonnet, où Bralima a presque tout fait, pas 100%, dès 100%. Et moi, je suis tellement heureux de voir Bralima vous accompagner, Rite Watanabe. Et la question est d'aller directement chez notre frère à Bralima. Est-ce que vous préparez un contrat énorme, comme c'est à l'époque des Papa Chéri et Wilson, ou bien juste accompagner l'héritier, il y a une production, voilà, l'héritier, on va vous accompagner, ou c'est, ça sera des contrats colossaux comme celui des Papa Chéri et aussi Wilson. Voici mes deux questions. Merci beaucoup pour la question, Toto. C'est une question colossale, j'aime bien. Écoutez, à chaque artiste son époque. Nous parlons aujourd'hui des artistes de la cinquième génération. Les contrats qui ont accompagné justement les artistes que vous avez cités, Wilson, JB, si aujourd'hui on doit prendre les mêmes contrats pour les actualiser aujourd'hui avec Héritier, probablement que l'artiste ne sera pas d'accord avec. Parce que si c'est passé, ou encore c'est que c'est passé, c'est vrai que nous mettons notre outil de l'avant, mais aussi il ne faudrait pas oublier quelque chose, c'est que c'est aussi l'artiste que nous devons mettre de l'avant, d'abord. J'ai aimé ce que l'artiste a dit, il a cité les quatre districts. Autrefois, on peut dire, tel artiste va jouer à tel endroit, mais est-ce que ça a parvenu à atteindre le cœur des consommateurs, d'abord, parce que nous, c'est les consommateurs, et également atteindre le cœur des fans de l'artiste. Parce que ce sont les deux qualités des personnes que nous devons attaquer. Comme je le dis, à chaque époque, à chaque artiste, la stratégie que nous attaquons cette fois-ci avec les nouveaux artistes de la cinquième génération, vous allez le constater, elle est totalement différente. Nous étions, il y a quelques semaines en arrière, au Rotana, avec un autre artiste, également pour une soirée de gala. Cette fois-ci, ça sera avec Héritier. Et chaque artiste, il y a un planning bien planifié, bien établi pour les accompagner. Et je pense qu'on va parler probablement de contrat, oui. Mais parlons d'avoir accompagnement aujourd'hui. Parce que c'est plus colossal qu'il y a les contrats, je pense. Merci. Et pour la première question, de ramener les CD chez mon père artistique. Mais déjà une fois j'ai ramené mon CD à mon père. Bah ouais, moi je le vois mon père. Je ne peux pas. Voilà. Il est mon père, ça ne va pas changer. Je ne vais pas changer ça. Ni vous, ni moi, personne ne va le changer. Parce que Dieu l'a fait ainsi. J'ai mis déjà remis un CD pour un album. C'était le Romeo Leti. Il y a déjà que je suis un peu plus de temps. Il y a déjà que
comment déjà on peut dans mon sama. Donc nous sommes arrivés déjà à Orlando. Orlando, c'était au Bukango et mon propos a déjà des mois à déjà commencé à donc voilà. Et là, qui est fou, la porte, c'est là, au camp. Pourtant, déjà fou, moi, non. On a le roi de la forêt, tout ce que là, moi, non. Elle a souhaité, mais quand il le faut, tout ce que là, et à ça, toujours, voilà, pour l'ensuite. Vous allez voir, même l'album, il avait posté ça. Donc, c'est-à-dire qu'il en a déjà connaissance. Donc voilà, je n'ai pas trouvé important, il y a René Mélanie. Passons à Vincent Chilusi, qui sera suivi de Monsieur de DJ Daddy, de Radio Gandhi. Je pense que juste après, on va prendre les dames, hein, parce qu'on a eu trop de messieurs. On va prendre les dames juste après. Voilà. Bonjour, Vitio Watanabe. Et félicitations pour l'album Nabusso, moi je vous l'aime. Et chemin de la gloire. Merci. C'est ça pour moi la forme, pour la forme et la radio. C'est ça. Question à la radio, monsieur Zavoué. Héritier Watanabe, depuis à la Kennedy, si on le met maison mère, on rata ni la chant, ni la focale. Oui, Nabusso, retirada, ben le petit gars là, parmi ma chef d'œuvre, tout ça, dans mon avec ma tout en noir et les autres. Deuxième album, Miange mis des morts, il y a que des tubes et des tubes. Tu es dans le troisième album, Cheveux de la gloire, na balabala, bah tu parles de que on est là pour poser la moindre difficulté à vous, y avoir accroché partout. Est-ce que vous êtes de même avis là, bah tout à l'heure, bah quand ils ont bien tapinaté, tout le bagage baron est basé sur ici. Voilà une question à la libération. Question à lui parler. L'album, il y a Nihonge mis des morts. Nous avons eu un peu de temps. Tu es comme moi, Badilou système n'a pas dit. Tu es bien l'album, tu es retrouvé dans la face d'honneur. Badilou n'a pas dit. Tu es dans l'album de la République King Kester. Aux autres particularités, moi, dans les deux artistes, c'est pour moi. Parce que tu es bien que Yosa, Wenge. Wenge, ton message, car la domestique a dit que le bandit s'est bénécoti. Mais jusque-là, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre chose à formuler une discussion. Voilà la question. Et puis, question que ça nous retourne. Est-ce qu'il y a la musique? Moi, je vais vous dire. Est-ce qu'il y a la musique qui tourne au moi, dans ça? Moi, la boutoise dans la musique. Voilà la question là-bas. Vincent, fais ça. On prend DJ Daddy, qui va rapidement prendre l'héritier. J'ai quatre questions ici. Album Maison Mère d'Abdou Zadé, la question. Sur Madilou et Kester, c'est le deuxième. Chant et Zantina, c'est Ben, c'est la troisième. Et moi, la montée à la radar, c'est le quatrième. Donc voilà, heureusement que j'ai pu écrire. Album Maison Mère d'Abdou Zadé, je ne sais pas l'écrire. Parce que là, la retour au Manada, je peux t'affirmer et confirmer. Ou tout à la chiffre. La balbon mignon son âme a mis ça à la vie. Nanou, n'a déjà la chiffre, n'a pas été, n'a pas été, n'a pas été. Album Nanga, après on a un problème. Album Nanga est obligé d'être par rapport à quoi ou par rapport à qui. Parce qu'il faut qu'on se le dise, on doit rester vrai. Avant que je sorte mon album, il y a des albums sur le terrain. Mais vous oubliez que ces albums-là ont peut-être deux ans et demi de promotion, une année et demie de promotion. Donc, ce qui n'a pas, nous avons la facilité de voir que nous avons hérité. Pendant que les gens comparent déjà, nous avons par exemple la hérité. Mais nous avons un album de 2 ans, donc il faut, et comme on a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour qu'il y ait un bébé, même quand il y a un bébé, 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 même plus pire, la bébé, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé. Et Betty n'a pas désolé, Betty, moi, après M. Oya, donc c'est mieux que normal quand vous avez un seul produit. Et Carabatouna, pour que M. Oya Oya après. Donc, au demi, si maman a 18 produits, il faut pas de l'amour. Mais je vois sur les challenges, nombre de vidéos, on a atteint en l'amour, c'est une première. Donc, ça veut dire que pour nous, ça marche. Et après, on ne peut pas aussi convaincre tout le monde, même Dieu qui est notre créateur, ne fait pas l'unanimité. Donc si je pars sur Madilou et Kester, je l'ai toujours dit. Nana, Madilou et Kester, c'est le roi de la forêt qui m'a poussé à le travailler. Quand la continue à jamais voir, on va être puissante. Mais il m'a dit, 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 il
C'est comme moi avant, mes hommes, j'étais pas fan de Wilson. Mais en restant avec Wilson, Pépé est obligé de découvrir ses qualités. Mais elle est comme un côté idéal. Vous comprenez que Moi je travaille sur la qui ont du talent. On a la promoté Vincent Chibizi, mais on reconnaître valeur. Ceux qui font jouer quelque chose de bien pas mal, moi je le prendrai. Et au moins, peut-être que vous avez raté un tel solarné, un tel dénat solarné, tel pot, bah moi ça n'a pas mon métier à l'île à la tête. Moi ça n'a pas la vie à la vie. On a la perception. Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Deux questions. Tandis que Chemin de la Gloire, c'est un bel album qui a convaincu tout le monde. L'album est signé de Coco et ça va nous dire qu'on est signé. Donc voilà. Pour l'Amba, je sais que Mion sera un des amis côté. Donc voilà, en termes de ventes, j'avais déjà dit ça avant que. Par rapport à tous les départs de ça, où il y a meilleur amour. Pour preuve, même contrat au tombé d'un concert, voilà, tant au monde à la maison, voilà, ben, dans la maison, hein, pour majeur, hein, ben, moi, déjà, quelque part, dans le rapide, moi, même que ceux qui va booster, là, ceux qui va tirer sur la moyenne, sûrement, la roupée, ça m'a peut-être une dégâts sur ce donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va déjà, dans le bon sens. Et, critère d'âge à l'homme, il faut déjà monter la main, on va agir. Bah, même si on a connu déjà, mais on a jamais. Et nous avons besoin de nous aimer. On a bien la musique à 14 ans, on a pensé à la barrière. On a 3 ans, on a pas la barrière. Si on avait été 2-3 fois la barrière, la barrière, maman a mis une fois. Voilà. Là, on a besoin de la musique commerciale. Donc, commercial, ça m'a mis pour là. Bateau, on a eu son maman, par exemple, on a eu consommé là, directement et non indirectement. Même si on a eu le talapé, on a eu le talapé, on a eu le talapé, on a eu. Donc, je vois pas 18 ans, 16 ans, à taille écolo. Je vais prendre Fifi Siwa, et puis Gisèle Fouy, et puis Lakita. Voilà. Bon, vous pouvez commencer à rapprocher le micro. Fifi, hein, s'il vous plaît. Vous pouvez. On va pas déplacer. Vous rapprochez quand même là. On va. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour Héritier, bonjour à tout le monde. Bonjour. Sincèrement, je voulais vous féliciter pour votre album CDG de Cambo, 18 chansons, 16 Rumbatisipo, dégénéré, 0 bêtises, 100 Kito pour Bravo Lenny, et puis Christian surtout, Toki Buzobat, et puis Yobaïsipso Mamaïl et Lakati. Mamaïl et Lakati, 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 Mama
Et puis question d'un les aboués. D'un ma police, il y a un sur le chemin de la gloire et aboué. À part accident. Pour ton blé, tu mets accident, les importants périodes dans la préparation et bon. À part accident, au bout d'un problème, ni pendant enregistrement et bon. Deuxième question, on a héritier à commander les nini. Puis surtout aux arabes, tu es pas consulté. Très compliqué, comme d'habitude. Héritier, tu finis à répondre à tes. Héritier va te mêler par les cartes de télévision, dans le adversaire, on a autoé, va peut-être passer héritier dans la main. Mon thème, pour la vérité, en bon endroit, finir qui pas la capacité à dire les salles, encore les arabes, l'univers, c'est festival, RTG. En passant, nous sommes sur 365. À la plus. Merci. Stone, déjà merci. Narumai, ta mission là que accident, ils ont un 4-4 à vous. Sur le 22 artistes, hormis les membres, sur le 22 musiciens à quoi j'ai un peu. Annonce la voiture et ça va accident. Donc, fracturé, la blessé. Voilà, je suis comment. Donc, il déstabilisait tout ça pendant plus de 4 mois. Pour que le bateau n'ait pas fait la gestion. D'ailleurs, on a dit pendant 3 mois qu'on a des temps pour dire que ça va nous. C'était compliqué. Il y a un peu là, on a amené les deux aujourd'hui. Le reste, je suis comme ça dans la bouche. Tout le monde a bon. Tout le monde a des familles, mon riche, on a un message, les décimés, les décimés, le tambour. Tout le monde est venu. Donc, la difficulté, on peut passer. On peut passer. C'est la réalité de la vie. Nous, les riches, ils ont aussi des leurs problèmes. Il y a aussi des problèmes des riches. Mais après, le problème, donc voilà. Et pour notre comportement, on adopte. Si on a tali sur la fille, on a réagi à la théorie. Et là, on y est mis, on a un au salon. On a un salon aussi. Plus mieux que nous, ils ont fait mieux que moi. Ils ont peut-être arrivé à, ils ont pu arriver à jouer. Mais là, ils sont même mieux que moi. C'est-à-dire que le courage, on les a parlé. Quand on va finir dans la vie, il y a bien, il y a bien nature, il y a bien nature. Mais le bilan est au moins. Moi, j'ai parlé avec BM avant de l'amener sur la MC, il y a la tentation à diable. Diable, il y a bien la faiblesse. Avec les manants, on a un terrain pour que la Simba touche. Simba touche. La qui m'a pas pour la main. Bate de l'eau, mais on ne peut pas régler la main. Au moins, on n'a jamais la porte à plainte dans le parquet. Zéro plainte. Mais, tant que les gauches doivent être, tout le monde sait que l'eau a la facilité à organiser. J'ai des relations, il y a des liens à son. Bate de l'eau, mais ça, on va finir. La route de l'eau a comploté pour trop polémique. Ils ont l'artiste, on va couler ça, on va canguer ça dans le parquet, on va le mettre ça. On est bien dans la 5, la 10, la compagnie. Mais après, est-ce que c'est important? Et ce qui est le plus important, c'est que je chante, que je danse et que nous nous promouvoir. Voilà, le reste, c'est pas mal. Je vous aime fouille. Bonjour. C'est Suzanne Fouille, son roi parasite pour la J'ai deux questions. Ma première question est celle par l'héritier. Mais déjà, l'héritier, je te félicite pour l'album Moyo, basé pour Kitoko. Surtout Adolfo, c'est ma chanson en fait. Je sais. Je vais d'avancer pour les images. Je disais, héritier, félicitations pour cet album au chemin de la gloire, parce que Banzim Bozan n'a pas dit tellement phase, surtout la bonne fois. Banzim Bozan a pris un bébé, confirmé. Donc, félicitations pour ça. Alors, ma question est la suivante. Pendant que vous allez qui dans le studio et tout ça,
mais qui n'a eu pas l'air la même mission d'Abisson. Alors, ma phrase n'a pas besoin d'être qui CDJ les années album et Kabola Bitumba. La tournée est une question. Et Kabola Bitumba entre quoi? Oh non, bah, pas moi les années. Alors, l'album est acquis sous place d'être qui Formule 7, la dynastie. Alors, j'aimerais savoir si héritier a ce même point de vue la équipe n'a eu. Alors, eux aussi, notre sponsor à Bralima. Bonjour monsieur. Monsieur Armel. Ah ok. Alors, notre Kaolobi pour reprendre ma collaboration avec l'artiste. Je suis ravie de cela. Mais j'ai une question de curiosité. Pour reprendre, pourquoi t'as pour la nuit? C'était quoi la cause? Puisque Baptiste vous avez sponsorisé, ils étaient populaires, et puis vous avez côté qui a produit Nabino. Maintenant, cette rupture-là était due à quoi? Et puis même la chaîne à la télévision, pourquoi tu as la collaboration? Et même puisque sur ces événements, tu as dit ma lettre pour répondre à ce que vous avez arrêté. Pour soutenir la journaliste à l'événement là-bas. C'est dû à quoi, s'il vous plaît? Quand même. Voilà. C'est la magie, je l'ai dit. Bon, on a battu la télé. Pour le bar, il y a la Bitumba. Moi, je suis pas là. Bah, vous, vous avez un peu de. Je pense que ceux qui nous prennent le droit d'être nous, la tout français, il y a tout Mbaka. Il y a la définition en exacte. Parce que nous, sur le bar, ils avaient pas forcément eu très bien. Surtout les Mbaka, dans la ville, on a mis ça. On a maman sur la famille, la cible d'avoir une Mbaka. On a mis déjà. Donc, voilà. Les a pensé dans la télé, dans la musique album, où l'artiste ou la musique est avant. La bine, la public, comme on a vu, il y a deux albums. Il y a bien, il y a qualité. Madame Dizelman, bonjour, merci. Reprendre les collaborations, non. Tout reprendre la collaboration, tout ça a déjà la collaboration. Tout dit qu'à péter, tout qu'à péter. Parce que pour preuve, il y a plusieurs événements que tout conditionne ça là. L'année passée, tout comme cette année, tout ça l'aura toujours. Alors, pas de soutien au devant de sponsoring des journalistes. Sincèrement, il y a mon collaborateur qui est dans la salle. On note quand même la remarque. On pourra avoir le temps peut-être sur le là, mais je ne pense pas qu'il y a un refus quelconque. Ça n'aura pas de sens. Parce que la raison pour laquelle Abraham est là, c'est justement pour promouvoir tout ce qui est la culture. Culture, c'est à la publicité, ça va dans tous les sens. Il y a les comédiens, il y a les journalistes que vous êtes, il y a toutes les activités que vous faites. On aura le temps peut-être d'en discuter, mais je ne pense pas que tout est d'accord. Non. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vraiment évoluer un peu plus rapidement. Nous allons rentrer à une question par personne. Et je vais prendre Madame Nickel Zanoa, Monsieur Nati Lokoulé, d'abord la Kinda, voilà, parce qu'elle avait une question. Et puis je prends Madame Nickel Zanoa, Monsieur Nati Lokoulé, Franck Semaï et Mike Lokamba. Une question par personne. Allez-y madame, avancez, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour héritier, j'aurais appris que vous étiez malade, j'espère que ça va maintenant. Oui, ça va. Merci beaucoup. J'ai des petites questions. J'ai des petites questions vite fait. En tout cas, premièrement, j'aimerais d'abord vous féliciter, un très bel album. Merci. Et on va lui faire des va-et-vient après Kinshasa à Paris. Vous voulez vraiment quelque chose de bien. Et laisse-moi vous dire que c'est vraiment un très bel album. La chanson des pieds que vous avez rendu hommage à votre papa, King Kester, et à Persona, c'est les top. Et ma question est celle-ci, même si je vous ai déjà posé, on a déjà eu à poser ça, et le micro en retard. En fait, chez Mandy Lacroix, on aimerait aussi, on voudrait en fait réduire aussi le featuring avec mon papa, quand le lobby, nous avons un peu à sauver ma canne à l'émission. Mais pour lui, il y a un featuring à mon côté. Attends, celui-là, il a été, mais là, papa, je suis bien. Et là, ça va moins bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez sollicité, ils n'étaient pas dispo. En tout cas, j'aimerais que vous me répondiez sur cette question. Et ma deuxième question, c'est aussi. Madame. Des questions, s'il vous plaît. Je me projette vers le futur. C'est sur une spéculation. L'artiste spécial Héritier Watanabe, vous nous préparez un album urbain. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un artiste, un musicien qui a déjà une avance sur ses milliers,
l'artiste émission Fanny Poupa. Je ne sais pas, vous projetez en featuring une collaboration parce que lui il est déjà dans ses milieux. Là, si un album à combien de il peut un petit featuring vite fait, ça fera du bien. Merci. Voilà, ici ça, merci. Déjà, il faut comprendre, quand je sors mon album, quand je prépare mon album, Papa Chéri venait de sortir aussi son album, avant que moi je sorte son album. Tu ramènes pas Papa Chéri dans un album pendant que lui, il est en plein promo de son album. En plus, lui, il a sorti, je ne me trompe pas, trois albums directement, donc trois CD. Donc, du coup, il était plus focus sur son album. Pour le roi de la forêt, maintenant, on a dit ça. Le roi de la forêt est dans un studio. Le roi de la forêt est dans un studio, à Zoro Sala, Morote. Donc, Morote, on a compliqué, on a joué, on a loué, Maintenant, ça va dire que pour moi, la préparation. Le roi de la forêt, ça va dire que pour moi, la préparation, il y a un papa chien. Il y a boula. Mais est-ce que j'aurai des moyens? Est-ce que vous avez une disponibilité? C'est compliqué. Après, pour la bande de roi, merci, tu donnes une idée. Pardon? Tu donnes une idée. Ah, voilà, papa chien, le roi de la forêt. Ouais, c'est vérité, je pense que on a un moyen de ruiner. Donc je sais que ça ne sera pas facile, mais avec la musique, tout est possible. Voilà. Et pour mon album futur, mon album vert, c'est pas un milieu que je maîtrise pas trop bien, mais j'ai déjà des connexions, j'ai des amis, je connais plein d'artistes. Même j'ai mis à exposer à Maudit. Je suis un peu plus jeune. Je ne peux pas forcer les choses. Donc voilà, dans mes calculs et analyses, nous ne savons de quoi demain sera-t-il fait. Donc tout le temps, on a tout qui est là. Nickel, ça va. Merci. Juste avant de comprendre, je suis encore chez Digitec comme vous. Il y a Nickel Nzanoa qui m'a volé ma question. Merci d'ailleurs pour les réflexes. Là, on n'a pas ici. À comment commission ça parle. Bon, ici, il était comme chrétien, voilà, c'est le cas. Il a donc à tirer une musique profane pour aller faire de la musique chrétienne qui n'est pas du tout mauvais. Et puis, il faut le reconnaître, ça paye bien aussi, surtout que ça joue sur cette première partie. J'ai aimé aussi, par rapport à mes interventions dans le monde, ça va, le mal d'intervenir après les autres, les brillants qui sont ici. J'ai découvert aussi des jeunes qui sont très très brillants. Encore une fois, félicitations. Je crois que je t'avais écrit pour te dire la novella c'est du biba la musique. Et plus loin, ce que les gens ne savent pas ou n'ont pas remarqué, ça a été imposé beaucoup plus par les quartiers latins, les leaders entonnent, les autres enchaînent. Il y a question la pentatonique, c'est-à-dire chanter à l'unisson. Quelque chose qui était devenu rare. Et il y a une babylonios, Quelle est l'idée, pendant que le tchatcho, entre guillemets, qui est la musique attribuée à X, et s'imposer dans les mois que l'idée a yémi, tu veux imposer quoi au bizarre car il met car au cancer maïa car la donnée. Puis félicitations parce que c'est pas facile. J'ai reçu tes musiciens, ils l'ont fait sans toi. Enfin, en tout cas, il faut avoir du toupet pour le faire. Encore une fois, merci. Merci Alain. Voilà, je vous remercie déjà pour le soutien et Natala qui me met en compagnie de l'album Tim Bello avec le musicien pendant que j'étais pas là.
C'était pas facile, le bébé était très compliqué. Mais fallait tout ça. Pourquoi tout ça? Des noms tout bandit. Bah, chanter le bébé dans le cas, c'est que les gens capables de ça. Les amis là qui tombent, ils ont un mouvement moral. Comme bandit, comme nature, ça a succès. Comme ma fille, ça a succès, tout pour ça. Oublions que la rumba, les amis, notre petit boy, il y aura peut-être ceux-là qui viendront après, qui feront mieux que nous. Mais la forme c'est la forme pour vous donner une rumba congolaise, il y a un autre. Donc, le coup, il y a une forme à qualité parce que tu vas douter de nous, on a un départ. Et donc, quand bien, ils ont. Non, mais toi, ça vélo. Quand on a parlé de la vélo, comme toi, ça qui boule la vie, on va mettre un petit bon. Mais je le déroule là, quand il est mis, tu promets si tu vas bien agir. Donc, voilà. Je préférerais peut-être être. Je préférerais peut-être. Moi, ça va traiter de génie. Après, Nicolas Bélé, j'accepte d'être victime. Je vais me comprendre que, pour tout ça, il y a un grand boulot, seuls les connaisseurs, pas au comprendre. Merci. Nous donnons la parole à Franck Temaï, qui sera suivi de Mike Lokamba, Tonton Bert et Tim Demeur. Merci pour la parole, Tonton. Bonjour à tous. Bonjour, Héritier Ouattara. Bravo pour l'album. C'était son album, il n'a pas mis ma collègue. Je vais la retirer à la soirée. On a un problème dans la musique congolaise. Les problèmes m'attendent. Pour tuer $300, bah, tu vas venir, c'est à sauver mon amour et artiste dans la banque. Et puis on a produit l'album représentant des années. Tellement bien. Bah, il y a à l'heure, il y a au côté de l'émission 23h. On les conseils, les amis, il y a samedi 8. Tu vendras une heure de temps pour vous, tu commis une minute, tu commis une sept. Est-ce que Héritier Ouattara sera à l'heure? A cause de la tête, tout le monde en salle, Tchadi, Bonne Koune Tondi, Ponganaya, tous ceux qui battent de R9 ou qui 20h, ils ont maintenant un podium pour y aller là-bas, et pour ça respectueux par rapport à l'heure. Et pour terminer, une question, un album qui a commencé les 14 titres et commis 18. Ça, c'est la question de Béli. Et ça, là, qui ont des lignes, réaliser un album rumba, ce n'est pas facile. On va se travailler avec vous, tu es bien les salades. Alors, quand vous décalez de 18 titres, tu t'es dit quoi directement et la difficulté de vous donner dans vous techniquement. Merci. Déjà, c'était mal, j'essaierai très ponctuel. Et c'est maintenant le débilité. Je vous dis que j'essaierai très ponctuel. Parce que bateau va soumis la billet, on a un mingue, va soumis déjà la billet, bazar, bateau numéro. Il faut la salade. Alors, c'est possible que mingue va vous en attendre, vous vendre, vous vous en attendre, c'est la caprice d'artiste. Mike Lokamba. Non, d'abord, Lady Demi, il y a une question pour toi. Bon, ce qui était compliqué, c'était plus par rapport au temps, au timing. On devait livrer l'album à un certain temps. Donc, quand les chansons sont arrivées, on devait faire le maximum pour être à temps dans les temps. Quoi. Sinon, c'est le travail. Voilà. Dans l'espace Schengen, et là on dit qu'il y a pas là où il y a copié, où il y a sur le paquet, donc voilà, la personne qui est copié, là, la copié, où il y a madame. Merci beaucoup. Merci. Le prénom, Archimède, absence à promo, je ne sais pas. Parce qu'après, il a évité mon colonie, il va faire tout ça, il promo au bien. Parce que, il y a un canon, non, sur le bas, il y a prison, on est prison. La chaîne télé au nom de l'EKT International, la Ligue. La photo au foot, la radio, la télé, pour que le bâtiment soit bêta, on a fait.
la boîte de nuit, matin, soir, les gens m'envoient des vidéos, blablabla. Après, je ne sais pas, s'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait, pourquoi c'est là, ou si c'est là, héritier, mais comment pour ça, là, pourquoi tout ça, là, parce que. Nous, tout ça, là, c'est plénière, promo exacte. Pendant qu'on dépense, on fait, voilà. Nous, on a tiré la promotion, bravo à eux, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire dans Babani. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ils ont donné ce qu'elle avait et ce qu'ils savaient, pardon, sur eux. Et moi, je donnerai ce que j'ai. Et maintenant, tu retards la vidéo, tu vas me voir, moi, tu retards la vidéo, là. Il y a Bétaïbou. Le juge, parce que moi, je ne peux pas être juge et parti. C'est ça. Merci. Et alors, nos prénoms, dames et messieurs, je sais que ça va créer des problèmes là. Bonjour à tous. Bonjour. Alors déjà merci pour le clin d'œil sur mon sort de la politique. La DOM CDG est une pépite, j'en suis fan d'ailleurs. Alors, tout à l'heure tu as dit que la musique bazarara, parce que ça m'en a oué, mais j'ai pas oublié bazarate, mon le bas n'a plus au bandard la BCBG, ça c'est un autre débat. Ma toute première question est plutôt une préoccupation. Tout à l'heure, la question en rapport avec l'album EOB Gamaté, je tenais à dire ceci, il y a un problème là. C'est que la qualité de l'album et la qualité de la com ne matchent pas. L'album a une qualité supérieure et la com ne suit pas. C'est ce qui nous inquiète. Parce que même si l'album en soi a fait des chiffres plus élevés que les anciens albums, seulement avec une autre communication, on aurait eu des meilleurs chiffres que ça. C'est ça notre inquiétude. D'où le pourquoi on se demande, c'est toujours avec Monceau que vous allez produire l'album international. Parce que là-bas, c'est un autre monde qui demandera encore beaucoup plus de com et d'autres exigences qu'il faudra travailler dessus. Enfin, je ne sais pas s'il faudrait réagir à ça également, mais ma toute petite question est de savoir, affaire Visa Manoir, est-ce que Héritier Watanabe pense avoir la crédibilité qui va faciliter les choses au niveau de Schengen pour ne pas qu'on puisse se retrouver avec les problèmes que les autres artistes qui devaient aller jouer récemment ont rencontrés? Sinon, merci et bonne journée. Déjà, demain, je suis un artiste qui a confiance dans l'amour. Quand on a ça, on a commencé à demander nos projets. Mais on a ça avant. Je ne suis pas un monsieur qui connaît tout. Je me dis, je suis humain, comme tout le monde. J'ai des limites. Côté savoir dans mes soucis. Pour moi, je vais savoir à bien, puis à mes chers mêmes, pour nous. Qui sera quelque chose dans ma salle. Mais la même chose archevêque, sur la première, s'il y a quelque chose qui manque, on va vous contacter, on va parler avec vous. Pour tous les années, nous allons vous aider, monsieur. Voilà, nous avons un que la peau est trop faillie. Donc, nous allons aider, monsieur. Vous savez, si nous allons aider à descendre les clochers. Pour la norme qui va, c'est la norme pour les albums à Souka, tout ça, là, David Manson. Autre ça là, celui David Manso à Bolinato Sanaye, il devra renégocier avec nous. Et l'exigence sur notre chaîne, l'exigence sur la chaîne en 2015. En 2015, on a besoin de voter, on a besoin de la bénédiction, on a besoin de la bénédiction, tout en noir, on a la bénédiction, j'ai mon maou, on a besoin de la bénédiction, tout ça. Mais tout le monde a besoin de la casse pour que nous tombions là-bas. Faiblesse à Mickey, qui va être sur la production, il va être sur le groupe. Donc je pense que de trouver solution à nous bien, avec les lignes, on travaille dessus, depuis. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à nous douter. La faille, nous, nous sommes tous les deux. Eh bien, l'hôtel, il faut tout donner ça. L'hôtel, il faut tout donner ça. Voilà. Et on les va bien. Pour la mon visa, là, on a déjà des difficultés à mon visa, à part les États-Unis. L'Américain est sur la première, il a sa visa, orchestre n'a pas obligé, sauf Kakanda. Il a sa réfugié. Il a négligible,
il y a un peu d'États-Unis. Oui, oui, raison d'aller parce que tant de Guénara, j'étais parti avec ma soeur, ma pote, Karim Mouzi. Et il y a eu des artistes au tournoi où on a dit la période de Hana, dans le fond de la que Karim Mouzi a musicien de Yazamini ou Yama, à Pessalamon, dans les marais des États-Unis, moyennant quelque chose. Et pour ma parole, c'est un trafic humain. Trafic d'être humain, mais ça ne passe pas. On se justifie, voilà, bientôt j'y vais aux États-Unis, on va gérer ça. L'avocat Bada Djani, voilà. Il y a un autre qui m'a raté. Maintenant, Schengen, non, on a un problème raté. J'étais en Espagne deux fois, j'étais à Paris deux ou trois fois. Et là, on a un problème raté. Jour, on a besoin d'un problème raté, on a eu la même mort, on a eu la même côté problème raté. Mais jusque-là, on a un problème raté, on a eu pour accuser dans tout. Quand on est venu, on a eu accusé dans tout. Ça sera empêché. Alors, nous allons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le membre du jury. Bonsoir la diversité de la coupe TV. Naï Lanzabilin. Je me suis. C'est une question. On a plusieurs questions. Dans mon album, il y a Chemin de la gloire des autres. On doutait à croire qu'il n'y avait personne à croire. Même quand j'ai cru en cet album, on s'est moqué de moi. On s'est moqué de moi. On disait des pétitions. Aujourd'hui, maintenant, il y a la mode de la musique. Ma boussole, mon album, où il y a une actualité, les diables, les chemins. Et ça a marché. Avec plein d'actualités. Moi, je suis allé à la banque. Parce que là, n'a pas fini. Merci. Avec de très belles chansons que vous allez nous présenter à cet album le 8. Et d'ailleurs, également, bravo de rendre hommage à tous ces grands. Il y a un adage qui dit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Félix Watanabe, ma question. Est-ce que tu vas bien? Ah, on n'y croit pas, c'est comme un hommage. Voilà. Je vais commencer par notre soeur, dommage que ce n'était pas présenté. Non, la celle qui a posé la question. Doudou. Juju. Juju. Quand elle est maintenant de mon vieux, Juju, moi, on va Playboy. Voilà. Si je me dis que je suis un artiste accompli, je ne suis pas trop bien quand je parle de moi. Je ne suis pas trop à l'aise quand je m'expose. Quand je parle d'héritier, je ne suis pas trop à l'aise. Mais oui, connais-toi toi-même, ça ne veut pas dire que nous avons. C'est plus profond que peut-être tous les mots de la main. Mais pour mieux dire, moi je pense que c'est aux fans de me décrire. Parce que moi je travaille pour eux. Bon, on m'a dit que au hasard, un bon artiste ou pas. As un bon chanteur ou pas. Selon le moyen pour le matin, Yemi, Sami, Boye, Nayou, et vous allez compliquer. Donc voilà, on va vous en apporter un matin. Et sur une échelle, de combien, mon échelle est à combien, voilà. Et à mon niveau, tout ça, et l'album aussi. Le mien, je ne sais pas, le mien c'est déjà. L'album, c'est un travail que je fais, je peux en parler. Par rapport à ce que je fais. Mais vu que la barrière du bizarre, toujours matin. Côté de Moutaki, Retirada, Léange Bidemont, Chemin de la Gloire, toujours matin. Sur justifié en gros par rapport à texte. L'écriture, les uns à Chemin de la Gloire. Après, pas si elles avaient ramené au même. Tout ça en conférence de presse, la consommée au sous, la héritier. Elle est au sous là, et le coup de l'éco-lumination. Il y a un peu de retomber la question.
Parce que nous, tous les gens, on a eu continuellement la question, où est-ce qu'il y a le bon moment, au fond de moi. D'abord, il y a eu un côté, on retourne à la question de l'émotion. Parce que si je viens plus parler de mon album que de moi, mais pour mon album, ils ont fléché ce matin. Par rapport à l'écriture, par rapport à la mélodie, par rapport à la calcul du chant. Lélo, Batoubam, Bimaké, Obetinze, Boudro, la victoire, Boudro, la King Kester. Bon, ça veut dire que la minimum, la tremplin, Moro, la niveau, la King Kester. Sur la petite voix, King Kester, ça veut dire que j'ai le niveau de faire comme King Kester. Même si je n'ai pas le même talent que lui, ben, j'ai le niveau de faire comme lui. Donc, déjà pour moi, et ça, déjà, comme matin. Ça, très, très ascendant. Donc, voilà, dans ce sens-là. Et, mais qui parle après, le Konama là. Tu as parlé des trophées, disque d'or, Nine et toi, mérite toi, et Koki Koya. Mais quand moi je travaille pas pour le récompense. La travaille à nos pots, ils ont moussala. Dans moussala, on a un salon pour publier ma maman. Dès que je vais la récompense à l'époque, ça va être un batouba d'ingamo. Artiste batouba d'ingamo, musique batouba d'ingamo. Donc il y a un mot. Les trophées, si ça vient, gloire à Dieu. Si ça vient pas, je ne vais pas forcer la main, je ne vais pas forcer que ma trophée en âge, je vais encore écouter. Si vous avez la guerre, le roi de la Tamsou, ça va, petit tour, côté mon roboé, là, va pire, ça va être au monde, vite fait, il y a un monde de boé, papi, moi, maintenant, pourquoi nous passons à côté de lui, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde. Voilà. Il y a un peu de temps. Système à cœur au tout ça, la peau tout ça, et ça t'a retourné mes mots. Je ne dirais pas que mes enjeux de moi, ils ont mal, tout qualité, ils ont accepté. Les acteurs, pire de l'un, toi, on pensait bon, mais les autres, toujours pensé bon. Quand tout le monde pensait bon, avec la chemin de la gloire, les gens, on a un moment, on a un petit carreau pour la première, on pensait pour autre chose. Donc, parce que tout ça, on s'inspirait, tu peux toujours, inspiration, ils ont cours. Donc voilà. Donc, pour la chemin de la gloire, on a compris que les kinés ont joué des mots parce que pour la salle, les kinés ont joué des mots, pour la salle, chemin de la gloire. Donc voilà. Il y a même des moments où, quand je parle de l'intelligence dans ce que je fais, l'exprimer des mots pour signaler que c'est intelligent ou c'est pas intelligent. Il y a un autre qui a dit que c'est intelligent. Est-ce que vous voyez que la Kinshasa, ils ont passé pour convaincre Nandé Momogo, ils ont l'obscénité de que Nandé Momogo a obscène. Facilement, ce que nous avons dit, tout le monde a dit, mais si, facilement, parce que la bêtise est soit qu'à emploi rapidement. Mais ce que Nandé Momogo a très réfléchi, pour être accroché, parce que nous t'avons dit lâché à comprendre que, par exemple, quand j'ai dit mais ça m'a l'air sans nombre sur mon présent la carte, mon toi attends, t'as eu comprendre que je me questionne, mon toi décide à toi de ça et combien sur 20. Seul le toi pour décider à toi de sur 20, un exemple, il y a ça, là, tu dois parfait. Et tu vois, parfait à comportement, il y a la nature que nous avons, tout ça là. Mais nous sommes dessinés. Ceux qui nous font dessiner, moi là, qui peut-être moi dans le souillard, des fois, 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 à tout le monde qui t'a roulé, nous allons aller en haut. Pour développer un haut, pour prendre un haut, pour avoir un homme qui est posé dans ma cambouille. Peut-être, dans le lot, tu pouvais faire partie du lot. Mais ce n'était pas une attaque personnelle. Mais maintenant, nous avons le droit d'être héritier de béni manique. Non. Nous avons trop. Oui, nous avons trop. Nous avons vraiment trop. Et merci pour tout.
Pour moi, on est au sein de la main. Au plateau, je vais me la main. Il y a un mal. Il y a un tout ce qu'on a, c'est un mal. Tu es un caca. Tu es un caca positivement. Tu es un bon mot. Bien. Un mal. Merci vraiment. Donc, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous remercions le Pullman Hotel qui nous a accueillis en ces lieux. On a eu cette salle pour les répétitions depuis les débuts de la semaine. On a répété juste après. Nous allons être dans la salle en bas pour le concert ce samedi. Veuillez s'il vous plaît. La presse, je ne sais pas si la presse, nous la pire, moi la pire, j'ai un talent comme l'autre. Mais je pense que tant sera bien représenté. Et si je mets au sol en privé, ni te laisser au sol en privé, trop bien dans ton commandant. Merci, bonsoir et à vous. Okay.
Jamais de la gloire, 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 jamais de la gloire